Salut, alors comme ça, Builderall est un système de vente pyramidal de plus ou pas? Alors sur Facebook, il y a eu une personne qui a dit que beaucoup de gens lui disaient, ouais, mais Builderall, à ton histoire de vendre Builderall, acheter Builderall pour le revendre, c'est de la vente pyramidale. Ok, alors c'est quoi la vente pyramidale? On va aller sur Wikipédia pour voir. La vente pyramidale est une forme d'escroquerie dans laquelle le profit ne provient pas vraiment d'une activité de vente comme annoncé, mais surtout du recrutement de nouveaux membres. Le terme pyramidal identifie le fait que seuls les initiateurs du système au sommet profitent en spoliant les membres de base. Le système se confond fréquemment avec la vente multiniveau ou commercialisation à paliers multiples, en anglais MLM. Cependant, des différences entre ces systèmes permettent à certains pays d'interdire la vente pyramidale alors que la vente multiniveau est légale. Bon. Ok. Donc c'est surtout le fait en fait que le profit ne provient pas vraiment d'une activité de vente comme annoncé, mais surtout du recrutement de nouveaux membres. Alors, dans le cadre de Builderall, déjà le premier argument que vous pourrez dire, alors la question de la personne c'est... Quand je l'explique aux gens, beaucoup de gens me répondent en disant que c'est de la vente pyramidale. Parce que je fais la promotion du côté affiliation de Builderall. Qu'est-ce que vous répondez aux gens quand ils disent ça? Donc, premièrement, personnellement, j'ai répondu que c'est une pyramide qui a seulement deux niveaux. Donc, c'est vraiment une pyramide bidon, hein. C'est la base et un étage. Parce qu'il n'y a que deux niveaux d'affiliation dans Builderall. Ensuite, je dirais que au niveau des chiffres, les clients de Builderall, il y a actuellement, hein, en début 2019, il y a plus de 30 000 utilisateurs, de clients de Builderall. Et parmi ces 30 000, il y en a seulement 4 000 qui ont le plan micro-franchise, le seul plan qui permet de revendre Builderall en fait. Donc c'est vraiment le plan dont on parle. C'est celui qui parle de l'affiliation de Builderall. Il y en a seulement 4 000 dans le monde qui ont ce plan, donc qui peuvent revendre Builderall et faire cette pyramide, quoi, en quelque sorte. Mais il y a plus de 80% des clients de Builderall qui ne peuvent pas revendre Builderall, qui ne sont pas dans cette histoire d'affiliation. Donc déjà, on sort de la vente pyramidale puisqu'il y a un produit qui est utilisé, plus de 80% des clients de ce produit ne le revendent pas, ne peuvent pas le revendre, en tout cas dans Builderall. Voilà. Donc déjà, hop, c'est pas simplement sur la promesse de recruter d'autres gens, puisque la plupart des gens qui ont ce produit ne peuvent pas recruter des gens. On n'est pas dans la vente pyramidale du tout là-dedans, quand la plupart donc 80% ou plus des clients, ils prennent Builderall pour l'utiliser, pour vendre autre chose, pour vendre leur truc, pour faire des sites, pour utiliser Builderall. Alors, ensuite, donc il y a ce truc. Oui, alors une autre chose que je pourrais dire pour montrer que Builderall, c'est pas de la vente pyramidale, c'est qu'en fait, on peut aussi revendre Builderall sans être utilisateur, sans être client de Builderall. Donc c'est-à-dire, on peut participer à cette escroquerie de vente pyramidale sans soi-même avoir payé. Donc on sort du schéma de la vente pyramidale où là on est obligé de payer pour pouvoir recruter d'autres gens. On peut vendre Builderall en passant par la plateforme d'affiliation qui s'appelle JVZOO, Zoho JV. Et là on a son lien d'affiliation et on peut vendre Builderall, toucher des commissions normales sans avoir de compte soi-même. Alors après, donc ça on peut... Voilà, ça montre que c'est pas de la vente pyramidale puisqu'on peut très bien le vendre sans participer. Et les gens, pareil, s'ils peuvent acheter leur compte. Bon, parce qu'en plus, il y a les trois comptes. Dans JVZOO, son lien affilié, on envoie sur une page de vente où il y a les trois comptes. Donc parmi les trois, il y en a un seul qui permet de faire l'affiliation, c'est le plus cher, la micro-franchise. Sinon, il y a les deux autres qui sont des simples comptes utilisateurs sans affiliation. Mais ce n'est pas bon de vendre par JVZOO, je trouve, parce que déjà, il n'y a pas de deuxième niveau. Voilà. Le deuxième niveau, c'est que quand on a le compte micro-franchise. Et puis, au niveau des commissions,
Enfin, il y a plusieurs choses de pas bon, mais par exemple, la commission sur le premier mois, c'est 50% au lieu de 100% quand on a son compte au Bureau Microfranchise. Après, les autres mois, c'est 30% aussi, mais sans ce deuxième niveau. Un truc pas bon, c'est qu'on a un seul lien d'affiliation qui amène vers une seule page de vente en anglais seulement et qui présente les trois plans. Voilà, c'est ça, il n'y a que cette page de vente. Alors que quand on a la micro-franchise, on a plein de liens affiliés pour envoyer vraiment où on veut. Pour, par exemple, pour faire la promotion uniquement du plan affiliation ou uniquement du plan d'entrée de gamme, quoi, le moins cher, ou d'autres pages. Et dans toutes les langues supportées par Builderall. Tout ça, on l'a pas avec JVZoo. Et en plus, dans JVZoo, c'est de l'affiliation normale, classique. Donc, on envoie du trafic sur cette page de vente. S'il y en a qui achètent, on touche notre commission. Mais c'est tout. On ne connaît pas qui a acheté. Alors que dans Builderall, tous nos prospects et clients, on a leurs informations de contact, leur email, leur nom. On peut les contacter directement dans la messagerie interne de Builderall. Donc, même s'ils ont un compte gratuit Builderall, les contacter ou les reprendre, les contacter par email, leur proposer d'autres choses que Builderall par email. Donc c'est vraiment nos prospects nous appartiennent, alors qu'avec JVZoo, on n'a aucune visibilité sur qui a acheté Builderall ou pas. Voilà. Donc après, on pourrait parler d'autres choses. Il y en a qui disent. Pour expliquer hein, aux gens que c'est pas la vente pyramidale, il leur montre des graphiques en expliquant que tout est pyramidal en réalité. Votre emploi salarié, c'est pyramidal. La société en elle-même, tout est pyramidal. Il y en a d'autres qui disent moi je leur parle pas. Les gens qui me disent ça, ben, c'est des cons. J'ai pas le temps à perdre avec les cons. Je me concentre sur ceux qui ne vont pas sortir ça. Ils vont pas dire c'est de la vente pyramidale. Après, il y en a d'autres qui disent, en fait, ils sont pas cons, mais c'est juste qu'ils, voilà, ils n'en savent rien. Donc, il suffit de leur demander, mais qui te fait penser à de la vente pyramidale là-dedans? Et si, justement, s'ils disent, oui, ben parce qu'il faut acheter pour pouvoir revendre, et puis ensuite, ceux qui vont acheter, ben, ils vont gagner en revendant, tout ça, c'est la vente pyramidale. Et là, donc, on peut leur expliquer, leur dire, ben non, on n'est pas obligé d'acheter puisqu'on peut passer par JVZoo. On peut leur dire, ben, tu sais que 80%, plus de 80% des clients de Builderall ne sont pas affiliés. Donc en fait, ils gagnent de l'argent en utilisant Builderall, mais sans le revendre. Donc on n'est pas là-dedans non plus. Voilà, on peut discuter. Et en fait, les gens, juste en utilisant la logique, peuvent se rendre compte que oui, d'accord, Builderall, ce n'est pas la vente pyramidale. C'est juste un angle, en fait. Quand on se focalise sur l'affiliation, comme je fais, avec le défi du million ou d'autres en général, quand je parle à mes contacts qui sont dans l'affiliation, je leur parle que de l'affiliation. Donc oui, là, ça peut ressembler à la vente pyramidale, mais en fait, c'est juste un angle choisi. Mais Builderall, ça se limite pas à ça, en fait. La plupart du temps, ce n'est même pas ça. Quand on fait la promotion de Builderall, c'est en tant qu'outil, en principe, hein, normalement. Donc c'est juste moi qui choisis de parler que de l'affiliation. Et c'est comme la personne là qui pose la question, c'est elle qui choisit de parler que de la partie affiliation de Builderall. Donc elle parle de ça, et bien sûr les gens lui répondent, ah oui, mais payer pour pouvoir gagner des sous en vendant aux autres qui eux-mêmes devront vendre, ça c'est de la vente pyramidale. Oui, mais parce qu'on est parti sur ça. Mais en réalité, non. De toute façon, bien souvent, si c'était à ce niveau-là, c'est-à-dire Builderall, c'était que de la vente pyramidale, ça serait déjà fermé parce que. Aux États-Unis, ils rigolent pas trop avec ça. Et là, Builderall, c'est une entreprise. Enfin, ça serait vite fermé. D'ailleurs, le fait qu'on puisse vendre Builderall en passant par la plateforme d'affiliation JVZoo, à mon avis, c'est pas innocent. Ils l'ont mis, c'est justement pour pas qu'ils puissent avoir des problèmes avec l'administration américaine, qui vont leur dire, ah ouais, mais attention, parce que si on est obligé d'acheter pour pouvoir revendre, c'est de pyramide scheme, là, et donc on va vous fermer. Donc, hop, il y a cette possibilité. Du coup, ce n'est pas, ils peuvent pas avoir de problème à ce niveau-là. Je sais pas s'ils en auraient vraiment, parce qu'il y a, enfin, il y a, par exemple, AWeber. Non, remarque, non, AWeber, on peut avoir un compte affilié gratuit. Enfin, moi, bon, je sais pas. Peut-être il y a certaines sociétés où on est obligé d'être client pour en faire la promotion.
Peut-être pas, d'ailleurs, peut-être pas. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a Givezoo, possibilité d'être affilié gratuitement. Ils auraient pu le faire dans Bulldoroll eux-mêmes, quoi. Mais ils l'ont pas fait. Alors, peut-être, ils l'ont mis sur Givezoo pour avoir cette porte de sortie, qu'on puisse pas leur dire, oh, mais on est obligé de payer pour pouvoir le revendre. Donc, c'est une vente pyramidale. Voilà, après, bon, en parlant de ça, faut pas rentrer trop dans les détails, juste dire que c'est possible de le revendre sans payer. Et voilà, donc déjà ça enlève cet argument de d'être obligé d'acheter pour revendre, mais de toute façon on peut acheter sans être affilié, on peut acheter d'autres plans qui n'ont pas l'affiliation. Donc pour moi, c'est pas tout ça, vente pyramidale, interdit et tout. Et donc voilà comment je le répondrai aux gens. Après, c'est vrai qu'il faut pas passer trop de temps si les gens continuent à dire oui, mais non, c'est quand même pyramidal. Ok, bon ben. T'as raison, bye bye, hein. De toute façon, peu importe. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens, jamais ils vont sortir ce truc. Donc pourquoi s'acharner à essayer de faire comprendre? Et puis peut-être que ceux qui disent que c'est une vente pyramidale, peut-être qu'ils ont raison finalement. Voilà, on s'en fout. On passe à d'autres. Ok, voilà la conclusion. Donc, Bulldoroll, un système de vente pyramidale de plus ou pas? Ben, c'est selon, en fait, c'est chacun a son opinion et tout le monde a raison, en fait. Que ce soit oui ou non, peu importe. Moi, je trouve pas. En tout cas, si c'est vente pyramidale, c'est vraiment très nul parce qu'il n'y a que deux niveaux. Il y a des moyens de le vendre sans payer. Enfin, bon, c'est vraiment assez laid comme système pyramidal. Mais après, s'il y en a qui veulent dire que oui, ok, pas de problème. Bye bye.